Et le soir, quand on passait devant ce camion, les chimpanzés hurlaient dedans. Et j'ai eu l'indélicatesse. La porte est entrouverte, la porte latérale du camion, et j'ai regardé. Et il avait mis des anneaux dans le camion. Il les attachait et il leur donnait des coups comme ça, mais dans la figure. On peut pas dire une gueule, hein. Un chimpanzé, c'est une figure. Hein. Et un coup comme ça. Des chimpanzés qui demandaient qu'à être libres et qu'on enfermait dans des boîtes, vraiment des boîtes, quoi. Ils voyageaient comme ça. Ça ne faisait pas plus de 1m50 carré, quoi, au carré. Et ils vivaient dedans comme ça. Et quant aux autres animaux, c'est pareil, quoi. C'est la même chose. J'ai fait le cirque d'hiver, j'ai fait le cirque amar, mais le vrai amar. Et puis j'ai fait le cirque Medrano sur le boulevard Barbès, là-bas. Et puis j'étais en Allemagne, j'ai fait tous les grands cirques allemands. J'étais en Suisse, j'ai travaillé chez CNI, j'ai travaillé un peu partout. Quoi. Ils disent toujours, nous on aime nos animaux et on tient à ce qu'ils soient bien et dans le confort. C'est ce que dit Eldestein d'ailleurs. Parce que, vous savez, quand ils ont assez travaillé, qu'ils sont trop vieux, qu'est-ce qu'ils font? Comme un jongleur, il a fini sa profession, eh ben, il remballe ses balles, il remballe ses massues, il les fout à la poubelle. Là, c'est pareil. Les animaux, on les met n'importe où, dans les endroits les plus sordides, à la rencontre, sur le voyage, comme ça, sans se soucier de leur santé, ni du respect qu'on peut avoir pour les animaux, quoi. Et ça, j'ai vu des trucs horribles. Quand j'étais chez c'est pareil, ils avaient un petit éléphant, ils le battaient, cet éléphant. Quand vous les voyez en piste, ces gens-là, ils sont avec un sourire jusque-là, vous dites, oh, qu'est-ce qu'ils sont braves. Il faut voir derrière ce qui se passe, même avec les chevaux. Je veux dire, il avait un cheval excellent. Eh bien, ce cheval, avant, derrière le rideau, il lui tapait sur le genou, comme ça, pour qu'il plie le genou et qu'il se mette à genoux avant de rentrer en piste. Et puis après, hop, il rentre en piste. Quand on voit ça derrière, on se dit, c'est pas vrai, quoi. Le spectacle, il est moche, quoi. Et donc, il y avait des anneaux comme ça, et puis ils l'attachent, effectivement. Et puis, ils sont ceinturés, ils peuvent pas. Alors, c'est facile, hein, je veux dire. C'est facile de les battre. Hein. Vous savez qui sont devenus tous ces chimpanzés? Ceux-là, là, ils sont tous morts. Ils sont morts en tournée. Et les autres animaux, les éléphants et tout ça, c'est mieux ou c'est... C'est pareil. Les éléphants, il y a la décharge électrique, vous savez. Ça se voit pas, ils ont l'appareil, ils viennent chatouiller comme ça. Et ça fait pas rire l'éléphant, hein, je vous le dis. Hein. S'il obéit, c'est parce qu'il a mal. Et voilà, puis voilà, c'est ça. Tous ces fauves, ces grands fauves qui sont enfermés dans des espaces tout à fait réduits, qu'on leur rende la liberté et puis qu'on les laisse dans des réserves chez eux, là-bas, ils sont bien. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est la loi du silence, parce que tous les artistes ne disent rien. Quoi. Ils disent rien.